Cette semaine, mon choix sur le dernier livre de Carole Martinez aux éditions Gallimard, « Dors ton sommeil de brute ». C'est comme toujours un roman qui est absolument délicieux. On rentre dans l'univers de Carole Martinez qui, cette fois-ci, nous emmène en Camargue où on va découvrir Eva et Lucie, une mère et sa fille, qui ont fui un mari, un père violent et d'un caractère complètement désastreux. À ce moment-là, commence pour la petite Lucie une série de rêves de manière régulière qui, en fait, vont toucher tous les enfants du monde. Ce qui est vraiment très beau avec Carole Martinez, c'est qu'on rentre toujours dans une ambiance, on rentre toujours dans un espèce de cocon dont on n'a pas envie de sortir. Et bien qu'on sache que ce qui se passe dans la vie de ces enfants du monde et de Lucie n'existe pas réellement, et ben on a envie d'y croire, on a l'impression que ça pourrait exister réellement. Et c'est juste un délice de la lire.